6. Oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Tu veux que je t'explique? Oui. Oui, tu es d'accord pour le faire? Tu es prêt? Oui. Ok. Je vais te demander de mettre d'abord une main comme ceci. Et moi, je fais beaucoup de kinesthésie, je touche, de manière à ce que la personne prenne conscience. Et à un moment donné, je vais te mettre dans cette main-là une encyclopédie qui va peser de plus en plus. Tu vas avoir le poids dans ta main. Et là, je ferai la main comme ceci en accrochant un ballon d'hélium qui va monter, monter à chaque respiration et ta main va monter également. Ok ? Oui. Tu es prêt ? Ferme les yeux. Voilà. Et je te demande de prendre une grande inspiration. Voilà. Ça me permet surtout en faisant ça de pouvoir parler après sur son souffle. Comme j'ai intensifié, je vais parler plus profondément. Prendre une grande inspiration. Et comme tu as une grande imagination, je vais te demander de visualiser ici une énorme encyclopédie en 20 volumes que je pose sur ta main. Et en même temps, on va rapprocher les mains pour qu'elles soient au même niveau, je vais attacher ici à ton pouce un ballon d'hélium. Voilà, un ballon d'hélium tout rouge. Rouge, lisse, circulaire, sous modalité pour qu'il visualise encore mieux. Voilà, et je lâche le ballon. Vous voyez, pour l'instant, j'ai rien dit. J'ai même pas insisté par rapport à ça, ça se fait tout seul. Rien que dans la capacité d'imagination, parce que j'ai pas dit je mets un livre, je mets une encyclopédie de 20 volumes. Lourde, et je mets un ballon rouge, circulaire, etc. Ça se fait tout seul. Et tu peux sentir, donc si ça se passait pas comme ça, vous reprenez le texte, et tu peux sentir à quel point ta main droite, qui tient cette encyclopédie de 20 volumes, tombe totalement sous le poids. De plus en plus lourd, de plus en plus lourd, pendant que ta main gauche devient de plus en plus légère. De plus en plus légère, avec ce ballon qui gonfle et monte. Vous voyez, je fais une synchronisation aussi en même temps que lui. Voilà. Sur la respiration. Monte de plus en plus, et à chaque inspiration, tu peux voir le ballon monter encore plus haut. Encore plus haut. Et plus tu inspires, et plus le ballon monte, et plus tu souffles, et plus l'encyclopédie pèse de plus en plus, de plus en plus. Et amplifie maintenant, amplifie totalement, amplifie de plus en plus. Le ballon monte, monte de plus en plus, pendant que la main pèse de plus en plus, en recevant l'encyclopédie de 20 volumes, de plus en plus lourde, et tu peux sentir totalement ce poids s'approfondir dans ta main, tandis que la légèreté se manifeste de plus en plus dans ton bras gauche, et en même temps que ta main droite devient de plus en plus lourde, tu peux sentir ce poids s'intégrer, s'ancrer dans tes jambes, te sentir ancré dans la matière, de plus en plus impactant dans tout ce que tu fais, par cet ancrage de la terre qui donne du poids à toutes tes actions, dans tout le bas du corps, pendant que la légèreté qui se manifeste dans ton bras se manifeste dans tout le haut du corps et dans ton esprit, devenant ainsi de plus en plus léger, une légèreté subtile, rendant ainsi tes pensées de plus en plus subtiles, de plus en plus aériennes. Et grâce à cet ancrage de la terre et cette subtilité de l'air, tu vas pouvoir approfondir par deux, par trois, par quatre, toutes tes capacités d'hypnose tout au long de la journée et des jours qui viennent. À chaque fois que tu vas faire des exercices, tu vas progresser deux à trois fois plus, permettant d'intégrer, d'ancrer grâce à cette terre que tu sens dans ta main droite, qui se manifeste par un ancrage puissant dans ton corps, et que cet aérien, ce côté subtil qui est dans ta main gauche, se transmet à ton esprit, permettant d'avoir une vision de plus en plus extraordinaire de l'hypnose, permettant d'intégrer de mieux en mieux tout ce qui se fait, tout ce que tu fais, tout ce qui est vu, tout ce qui est dit, tous les échanges que tu vas avoir au cours de cette semaine. Et ainsi, tu seras mieux, de mieux en mieux, à tous les points de vue, dans tous les domaines, et ce n'est que le début. Et tu vas augmenter tes capacités d'hypnose d'un facteur de 2 entre chaque exercice que tu vas faire d'ici vendredi, de mieux en mieux, et de plus en plus à chaque fois, allant de plus en plus profondément et rapidement en hypnose, et allant mieux, de mieux en mieux, à chaque fois que tu feras les exercices, soit en les pratiquant, soit en les
vivant de l'intérieur. Je vais compter jusqu'à 5, et à 5, tu vas te réveiller en pleine forme, en parfaite harmonie, avec de super connexions dans ton subconscient, dans ton esprit, des nouvelles capacités qui vont te permettre d'intégrer tous les concepts et tous les exercices que nous allons faire durant cette semaine. Au compte de 5, parfaitement réveillé, en totale harmonie avec toi-même, parfaitement lucide, clair, comme si tu avais fait une petite sieste régénératrice pour avoir plein d'énergie tout au long de la journée. Et tout ce que j'ai dit, tout ce que tu viens de faire, tout ce que tu viens d'entendre, va se manifester sur tes pensées, tes actions, tes émotions, tout au long des jours qui viennent. Au compte de 5, tu pourras ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant à ton rythme. 1, 2, 3, les pieds au sol. 4, tu peux commencer à revenir plus progressivement ici. Et à 5, tu peux ouvrir les yeux. Bonjour. On a fait l'hypnose à partir d'un exercice simple. Comment tu te sens ? Bien. Bien. Alors, on a tout fait pour qu'il soit de mieux en mieux au réveil. C'est bizarre, à un moment donné, j'ai senti que ma main était plus lourde en fait que c'était là. Ben, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que la lourdeur de la main se manifestait dans le bas du corps, s'ancrait totalement. Je me sentais un peu partir, mais je savais que partir parce que mes jambes étaient ancrées au sol et que. Ouais, mais en fait, si je fais ça, je dis qu'à côté. Ah oui, et quand je fais ça, comme je l'ai fait à Valérie, par exemple, je dis que quand tu te réveilleras, tu seras tellement ancré, tu ne pourras plus bouger. Tu te réveilles, tu ne peux plus bouger. Ah oui, j'ai l'impression. Voilà. Merci. De